Salut à tous, aujourd'hui revue liquide. Exactement, nous partons aux États-Unis, en Californie encore, et nous allons voir Vapstein. Exactement, nous allons voir un liquide, le Alist, qui est un melon acidulé. Moi qui est fan de pastèque, de melon, ce genre de choses, bah on va voir ensemble ce que ça va donner. Alors on est bien sur un melon, on n'est pas sucré du tout justement. On n'est pas sucré. Alors par contre pour du 3, il a un hit légèrement costaud, je trouve. En fait, en gros, à quoi ça va me faire penser? Ça va me faire penser à un melon d'Espagne, les melons jaunes, là, en ballon de forme de rugby. Ça va me faire penser à un melon comme ça, avec une note d'eau. Et en toute fin, avec une légère acidité. Alors, c'est très léger comme liquide. Ça pourra très bien faire une journée complète. C'est plutôt pas désagréable, moi j'apprécie plutôt bien le fait du melon, hein, je suis désolé. En taux de PGVG, je ne peux pas vous dire, ce n'est pas marqué dessus. Moi je l'ai eu par, comme d'habitude, le shop Miss and Mr. Vapo qui nous sort des belles petites pépites en ce moment. Donc je pense que c'est un site qui est à suivre. Les 60 ml, on est à 24,50€. Pour moi, ça reste correct. Tant qu'on est pour du 60 ml entre 22-25€, pour moi, c'est très bien. Par contre, on fait plutôt une belle vapeur avec. Comme je vous disais, par contre, c'est un peu dommage. C'est le hit un petit peu costaud. Alors, je ne vais pas m'éterniser, faire une vidéo de 15 minutes sur un seul liquide d'une marque. Je voulais juste faire mon petit retour sur celui-ci et vous le trouverez chez Miss & Mr. Vapo, pour moi comme d'habitude un shop très sérieux. Ah, et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous.